Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Donc cette conférence va porter sur le jeune homme croqué dans le Charivari. Donc le Charivari, c'est un quotidien de caricature très important sous la monarchie de Juillet, qui publiait dans les années 1840, en page 3, chaque jour, un dessin, pleine page, avec sa légende. Alors il s'agit d'un moment assez spécifique de l'histoire de la presse illustrée, puisque suite à l'attentat de Fieschi contre le roi Louis-Philippe, les lois 1835 mettent dorénavant les images sous le contrôle de la censure, et donc ça va entraîner une modification de la nature des caricatures, qui abandonne la satire politique, dans laquelle elles avaient été extrêmement virulentes. Hein, pour mémoire, je vous montre, présente deux images rappelant la symbolisation du roi Louis-Philippe sous forme de poire. Donc je vous présente donc deux images rappelant la symbolisation du roi sous forme de poire. Et donc à partir de 1835, ce type de représentation, ce type de caricature n'est plus autorisé, n'est plus possible. Et le Charivari va se spécialiser dans la caricature donc de mœurs pour remplacer la caricature politique. Donc il emploie quantité de caricaturistes que l'histoire a un peu oublié, Beaumont, Traviès, Cam, et surtout il accueille deux illustrateurs vedettes, très complémentaires, Daumier et Gavarni, qui vont être un peu qui ont constitué mes corpus de référence. Comme l'écrit Champfleury dans son Histoire de la caricature moderne, je cite, « L'impeignait la vie de jeunesse, les étudiants, les grisettes, donc c'est Gavarni, l'autre de sa forte poigne ne lâchait pas la bourgeoisie, c'est Daumier. » Donc effectivement, leurs perspectives sont différentes. Si Daumier est plutôt, vous allez le voir, dans la charge, dans la caricature, Gavarni, lui, vise plutôt l'élégance du trait. Comme l'écrit une réclame parue le 31 mars 1842 dans le Charivari, réclame pour leurs albums, « Daumier est enfin au comique verveux ce que Gavarni est à la grâce. » La vulgarité restait entre deux. Donc il m'a semblé possible, hein, quand Véronique m'a parlé de votre séminaire sur le jeune homme, d'observer à partir de cette fenêtre de la page 3 du Charivari ce qui était dit de la figure du jeune homme, de la difficulté à passer de l'état d'adolescent à l'âge adulte, pour utiliser des catégories modernes, un peu anachroniques pour l'époque. Est-ce que la caricature parle de cette difficulté à devenir homme ? L'ensemble du discours social qu'elle véhicule diffère-t-il de ce qu'on peut lire ailleurs dans les autres sources des historiens de la masculinité qui se sont, eux, en général, plutôt appuyés sur les faits divers, sur la lecture des journaux intimes ou sur la lecture des romans. Évidemment, alors la caricature, du fait de ses conditions de production et de diffusion, je l'ai dit, c'est une presse censurée depuis 1835, en raison de sa raison d'être, elle vise à provoquer le rire, le sourire, c'est l'enjeu. En raison également de son personnel de prédilection, c'est le bourgeois, on le verra. Évidemment, elle provoque un certain nombre de biais dans la représentation des mentalités. Ce n'est pas le lieu de la confidence, on s'en doute, privée. Mais elle fait état d'un discours social moyen, courant, de lieu commun. Et en même temps, elle a par l'image, par le symbole, les moyens de rendre compte parfois de réalités qui ne sont pas discibles ailleurs. Donc on aura quelques surprises. Évidemment aussi, la caricature ou le croquis doit s'interpréter différemment selon la source d'émission. Et on va voir que nos deux caricaturistes sont très différents. Idéologiquement, on verra, un Gavarni, c'est pas un Daumier qui est engagé depuis les années 30 aux côtés des Républicains. Donc les deux illustrateurs auront une perspective et des angles d'attaque fort différents. Alors il me faut encore préciser un point important, faire un aveu. Je ne suis absolument pas spécialiste des masculinités. Je suis même soulagée que Véronique n'ait pas lu ma bibliographie, parce que vous aurez vu que rien à voir avec le jeune homme. Donc je suis plutôt, si je suis du côté des imaginaires, c'est plutôt du côté des imaginaires médiatiques. Donc, ce qui va m'intéresser au moins autant que ce que dit la caricature du jeune homme, c'est comment elle le dit et comment le dispositif qu'elle invente pour parler du jeune homme finit par créer un type.
Alors même que le caractère général, voire universel de ce passage, qui est un passage autant temporel que social, semblait interdire le passage au sociotype. Alors on verra à quel prix le passage au type est possible. Et je m'intéresserai donc dans un deuxième temps à une série lancée par Gavarni et intitulée « La vie de jeune homme ». Qui va contribuer à développer et à faire circuler tout un imaginaire, sans doute en partie fictif, autour de l'éducation sentimentale de la jeune bourgeoisie. Alors il est probable, comme l'ont dit les témoins de l'époque, que cette représentation va finir par avoir un effet sur les pratiques sociales. Je ne m'aventurerai pas à essayer d'en faire la démonstration, c'est extrêmement compliqué. Mais en revanche, dans un dernier temps, je tâcherai de montrer l'importance de ce dispositif de la vie de jeune homme pour le roman de la seconde moitié du 19e siècle. Je vais essayer d'aller même attraper un peu vos corpus. Et donc, je vais évoluer d'une histoire des représentations des masculinités vers des questions qui me sont plus familières de poétique du support. Mais il me semble, enfin, vous me direz à la fin, que mise bout à bout, l'ensemble fait sens. Donc d'abord, peut-être la construction des masculinités dans le charivari. Alors la caricature de Meur fait abondamment état des interrogations et des épreuves qui attendent le jeune homme dans son parcours vers l'état d'homme accompli. Elle interroge les nouvelles formes de virilité dans la société bourgeoise et elle fait rire d'une forme d'expérience commune, peut-être pas encore complètement verbalisée ailleurs, vous me direz. Mais elle n'est pas exempte de certains biais, elle ne s'intéresse qu'à la bourgeoisie, il n'y a pas d'ouvriers, pas de paysans dans la caricature. Elle ne suggère certaines réalités sexuelles, le bordel par exemple, le dortoir, ce qui peut se passer dans le dortoir, la paillardise qu'elliptiquement. Elle est censurée, ce qui fait également que l'acquisition d'une certaine forme d'indépendance d'esprit par le politique, par exemple l'acquisition de tout ce qui est forme de virilité par l'insurrection ou par opposition religieuse, l'anticléricalisme, ne sont évoqués que métaphoriquement, alors même que Anne Morrison, par exemple, a montré combien ces champs sont importants pour la construction de la masculinité. Alors d'abord, le jeune homme, il est souvent dépeint, alors là c'est un très très jeune homme, dans son cadre familial, ce qui permet d'appréhender la cellule bourgeoise dans son ensemble, avec son malthusianisme, elle contrôle la transmission du patrimoine et donc les naissances, on a le fils unique, son aspiration à l'ascension sociale, et sa participation à la nouvelle société de consommation et des loisirs, et un certain contentement de soi, qui est régulièrement épinglé par la caricature. Alors cette première image avec ses projections maternelles prématurées sur le chérubin, est-il gentil à manger son sucre d'orge? Si on ne dirait pas un homme de 20 ans pour la raison, je veux qu'il soit avocat. Donc cette caricature précise un des enjeux majeurs de la jeunesse bourgeoise, le choix d'un état. Dans le même registre, on peut montrer une autre caricature qui constitue comme la suite de celle-ci. Et en fait, vous allez voir on va avoir très souvent ces effets de strip, de bande. Il serait facile, en piochant dans l'ensemble des caricatures, de constituer une bande dessinée même de la vie de jeune homme. Donc évidemment, ici, ce qui frappe, outre le caractère ventripotent et satisfait des parents, c'est l'air souffreteux du jeune collégien qui vit sans doute mal la discipline terrible du lycée, l'institution que la société a élue pour faire de ces garçons des hommes. En effet, depuis la fin de l'Empire, l'armée n'est plus le lieu où l'on apprend les valeurs viriles, la force, le courage et l'honneur. Et la caricature fait parfois état d'une forme de nostalgie de la société vis-à-vis de l'époque où la guerre garantissait l'apprentissage des valeurs militaires et donc viriles. Par exemple, ici, cette caricature du conseil de révision montre des anatomies peu glorieuses de jeunes gens qui ne donnent pas les indices de masculinité attendus pour des conscrits, haute taille, épaules larges, taille dégagée. Dans le même registre du regret de l'épopée impériale, beaucoup de pensions prônent l'uniforme. Mais on voit ici, c'est l'effet de cette caricature, elle montre que l'effet martial n'est pas obtenu, puisqu'ici, les jeunes élèves ressemblent, nous dit la légende, à des petits porteurs du journal L'Époque. Il est donc visible ici que Daumier se moque de cette nostalgie qui lui paraît quelque peu anachronique.
C'est pourtant bien au lycée, aux institutions, que la société a confié l'apprentissage de la masculinité. Dans un univers entièrement masculin, le jeune homme va y faire l'apprentissage des valeurs et de l'histoire de la nation. Ici, c'est la légende de la leçon d'histoire. Comment drôle, vous ne savez pas le nom des trois fils de Dagobert, mais vous ne savez donc rien de rien. Mais vous voulez donc être toute votre vie un être inutile à la société. Et donc, on voit ici, la légende, par son raccourci comique, révèle les enjeux de la leçon. La leçon d'histoire, c'est apprendre à devenir citoyen. Donc, le jeune homme donc fait l'apprentissage dans cet univers masculin des valeurs de la nation, des conventions sociales pour un homme, l'impassibilité, la domination de soi et des règles, l'obéissance, la discipline. Daumier, qui a visiblement une appréciation peu amène du collège et du lycée, montre que le régime scolaire apprend en fait la résistance physique à coup de punition et de privation. Dans cette charge, c'est le régime alimentaire des élèves qui est dénoncé. Monsieur Adolphe Chamouillard, vous vous montrerez donc perpétuellement difficile pour la nourriture. Je vous le déclare, vous n'êtes qu'un sybarite. Apprenez que les Spartiates mangeaient toute l'année du brou et noir. Mais au moins, ce n'était pas toujours des haricots rouges. Donc la comparaison avec les Spartiates réfère à un système d'éducation antique particulièrement martial. Et visiblement, Daumier se moque des systèmes d'équivalence que le lycée tente de restaurer avec le milieu militaire. Dans cette autre caricature, par exemple, un élève reçoit une décoration, le signe de l'honneur sans tache, pour avoir passé une semaine sans se moucher dans sa manche. Donc, mais Daumier montre aussi, Daumier, je l'ai dit, c'est un républicain, il montre aussi que l'apprentissage de la virilité au collège passe aussi par la résistance à l'autorité. Et notamment à l'autorité par délégation, celle des pions et des surveillants chargés d'imposer un pouvoir qui ne leur appartient pas. J'ai vu que vous aviez le petit chose, par exemple, dans votre corpus. Comme l'écrit Anne Marisson, je cite, « La virilité consiste à ne pas lâcher prise, à faire corps avec le groupe pour contester la légitimité du surveillant et le défier, lui signifier qu'il n'est au sens propre qu'un pion dans une hiérarchie qui le domine. » Et donc, Daumier met très souvent en scène des rébellions et des insurrections internes. Ici, un surveillant obligé de fermer l'œil sur la conduite de ses élèves. Il montre aussi l'existence de meneurs sous l'œil admiratif de leurs camarades, défient le pouvoir du professeur. Ici, un jeune homme pour qui rien n'est sacré. Ou encore, celle-ci, comment on devient un grand mathématicien. « Monsieur Moutonnet, vous avez encore commis une erreur dans votre calcul. Vous me copierez 6 fois le verbe. Je me suis trompé dans mon addition. » Monsieur Moutonnet, devenu furieux, réplique par des signes qui ne sont point algébriques. Donc, c'est un des rares moments où la caricature demeure à des connotations politiques. Notamment, je vous montre 2 images qui manifestent une rébellion encore enfantine, mais dont on sent bien, notamment grâce à la légende, que d'autres possibilités d'insurrection contre les régimes de l'ordre sont contenues derrière ces épisodes. Alors celle-là, comme quoi l'emprisonnement cellulaire ne produit pas toujours d'excellents résultats, ou encore de manière plus poussée encore celle-ci, dont je suis bien étonnée qu'elle ait passé la censure. Polisson, je vais doubler tous vos devoirs. De quoi des devoirs sous un gouvernement despotique, c'est l'insurrection qui est le seul devoir. Donc en 46. Donc à l'intérieur de ces communautés masculines, le jeune homme apprend non seulement les règles de la vie en société, mais aussi au contact de ses camarades, il teste sa virilité. Alors il lance des défis, ou il se lance mutuellement des défis, comme ses élèves de 6e qui fument la pipe. Et il montre son ardeur à la lutte, parfois à l'intérieur même du collège. On sait qu'ensuite, le duel, etc., enfin la rixe et le duel seront des moments où la virilité s'établit. Il intériorise les valeurs masculines et la conscience de sa supériorité sur l'autre sexe. La caricature reste en revanche très discrète sur des formes d'initiation sexuelle révélées par les historiens des masculinités à l'intérieur, par exemple, des dortoirs des pensionnats. Alors il y a quand même cette caricature, avec ce pensionnat bien tenu, le dortoir d'un pensionnat bien tenu,
Attention, au premier coup que je frapperai dans mes mains, vous poserez la tête sur l'oreiller. Au second coup, vous fermerez les yeux. Au troisième coup, vous vous endormirez tous. Bon, je pense qu'ici, le pensionnat bien tenu, la discipline qui est envisagée, laisse entendre des débordements possibles que l'on souhaite éviter. La puberté n'est pas évoquée frontalement, même si la question des corps est évidemment essentielle pour la caricature. Elle est signifiée métonymiquement, en fait, par l'apparition de la barbe et de la moustache, qui sont les attributs du jeune homme. Alors la première barbe, notamment, est l'occasion de nombreux dessins comme celui-ci, assez amusant, hein, qui voit la confrontation de deux jeunes hommes, de deux très jeunes hommes. Hein. La première barbe, tu voudrais bien pouvoir faire ta barbe aussi, n'est-ce pas, moutard ? Attends pour ça que tu aies 15 ans, comme moi. Alors, en regardant les jeunes gens bien vêtus de Gavarni, aux cheveux longs, à la barbe bien peignée, l'observateur comprend que la pilosité domestiquée annonce le séducteur. C'est un enjeu important. Par exemple, dans la série Fourberie de femmes de Gavarni, la mention spécifique par toutes les femmes amoureuses des barbes de leur jeune homme est tout à fait significative. Par exemple, ce monsieur du rez-de-chaussée qui a cette barbe. C'est ce qui permet de l'identifier comme... Ou alors là, comme séducteur. Ou alors là, la dénégation, le déni. Tu aimes un mari soupçonneux. Ce monsieur Ernest est assez bien. Adieu, tu trouves. Tu aimes donc les grandes barbes, toi. Moi, ça me dégoûte. Ah. Donc, la barbe, elle est signifiante au niveau sexuel. Hein. C'est une façon de montrer que le jeune homme dont on parle, est en pleine capacité sexuelle. Donc, si les transformations physiques et la question de la sexualité du jeune homme ne sont pas vraiment ouvertement évoquées, la caricature n'hésite pas également à utiliser des métaphores connues de tous pour évoquer le sexe, comme dans cette scène très édifiante de début à la chasse, mais on peut se demander quelle chasse, hein, un début à la chasse. Tiens papa, je l'ai tué, je crois que c'est un perdreau. Mais oui, il n'y a pas à s'y tromper, c'est bien un moineau. Et ça réfère hein, de manière absolument évidente à la signification qui existe encore aujourd'hui du sexe masculin comme oiseau. Donc c'est un père débonnaire mais un peu castrateur, hein, comme souvent dans la caricature, hein, qui vient corriger les ambitions du fils. Donc la question des jeunes corps, des corps en puberté, des corps exubérants, est aussi sensible à travers les épisodes de Chahut, de Charivari, de Carnaval, à la Grande Chaumière par exemple, où il s'agit de saturer l'espace public par ses cris, ses danses, de monopoliser, il s'agit pour le jeune homme de faire ça, hein, de monopoliser la chaussée en refusant le passage, de bousculer les passants et les convives, voire de pratiquer des danses épileptiques comme le cancan, hein, ce qui sont des moments de sociabilité reconnus du jeune homme. Donc voilà une caricature de Gavarni qui s'est spécialisée dans ces moments de fête. Je dis caricature, mais là, la part charge, elle est évidemment très faible hein, chez Gavarni. Hein, vous m'autorisez je vois bien que ce n'est pas une caricature dans le même sens que Domier. Alors, j'ai cancané que j'en ai plus de jambes, j'ai mal au cou d'avoir crié et bu que le palais m'en ratisse. Tu n'es donc pas un homme. D'accord ? Si on avoue sa défaite au moment de la fête et du chahut, bon ben, le chahut, c'est vraiment le moment où on affirme sa virilité. Donc la caricature aime à mettre en scène les premières fois, vous avez vu un certain nombre de premières barbes, de premières... qui matérialisent tous les seuils que les jeunes hommes doivent franchir pour être pleinement hommes. Comme fumée est un marqueur ostentatoire du masculin, on l'a déjà vu, le charivari met en scène deux jeunes gens qui fument le nez au vent et qui, comme si leur attitude n'était pas assez explicite, manient de surcroît une canne très phallique. Il s'agit avec la canne avec le cigare de faire, comme le dit l'expression, son jeune homme. Alors d'autres expériences sont plus traumatiques, comme ce premier essai de pipage, et on devine derrière l'adolescent écœuré, l'homme mûr avec sa pipe et un peu narquois. Alors la légende, et j'attire votre attention parce que je vais revenir là-dessus dans un deuxième temps, la légende elle est ici particulièrement intéressante parce que cet ekphrasis, avec son joli néologisme, est de Daumier lui-même. Et là j'insiste un tout petit peu parce que je vais revenir sur le laboratoire de la caricature et de la légende. Il faut savoir que cette légende doctoriale, elle est exceptionnelle.
En fait, les caricatures de Daumier étaient confiées à des légendeurs. Il n'est pas l'auteur de la plupart des légendes qu'on a vues. Ça va avoir son importance pour la suite, hein, contrairement à Gavarni qui rédigeait ces légendes. Et donc, le plus souvent, les légendeurs étaient des journalistes polygraphes du Charivari, chargés de rédiger la bonne légende, payés 100 sous. Donc, on est payé à la légende, hein, comme on est payé à la ligne quand on est journaliste. S'inspirait du dessin. Oui, alors il recevait le dessin et à partir du dessin, il composait la légende. Et il faut bien voir que pour l'époque, le légendeur se sentait plus important que je vais revenir tout à l'heure, que le caricaturiste. Et donc même il y avait on trouve dans les marges de certaines caricatures qui sont conservées à la Bibliothèque nationale, des commentaires des légendeurs du type « Bon, il faudrait que Daumier nous dise ce qu'il a voulu dire, parce que là, c'est vraiment... c'est pas possible de mettre une légende sur un texte, une image aussi stupide. » Donc, il y a vraiment... Et même quand on regarde les témoignages d'époque, et ça aussi, c'est important, et d'ailleurs, ça retrace un peu ce que je suis en train de faire, je sais pas si vous y êtes sensible, mais moi, je suis plutôt une analyse du texte. Les gens lisaient à l'époque, aujourd'hui, bon, bien sûr, ce qu'on garde, c'est l'image, hein, et l'idée qu'on a de Daumier, c'est que c'est des images de Daumier, souvent même, on les fait paraître dans les ouvrages d'art les plus récents, sans les légendes. Donc l'idée qu'on a de Daumier aujourd'hui, c'est que c'est un grand illustrateur. Bon, à l'époque, on lisait beaucoup pour la légende, d'accord ? Et on a des tas d'expériences, de témoignages qui montrent que les gens étaient sensibles au texte. Donc les légendeurs n'avaient pas tort de se voir comme des personnages importants du dispositif. Donc les noms sur les épreuves et les mémoires, mais c'est la raison, c'est pas très connu. Enfin, moi, c'est une découverte que j'ai faite en travaillant... pour un autre projet sur la caricature. Et c'est à ce moment-là que j'avais fait un article sur la légende dont vous bénéficiez. Les noms sur les épreuves et les mémoires de journalistes attestent Louis Art, Albert Clair, Ernest Jem, Abéric Segond, par exemple, comme légendeurs. Donc, pour vous, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est des légendeurs, ça veut dire que c'est des auteurs, hein, connus pour l'époque, qui sont au carrefour entre le journalisme, le vaudeville et ce qu'on appelle la physiologie. Ce qui correspond très exactement, on va y revenir, à la recette poétique de la légende, hein, entre journalisme, théâtre et entreprise de physiologie. Donc, chronologiquement, la fabrique de la légende précède puis accompagne tout cet atelier collectif de la monarchie d'Huillet que l'on commence à étudier en ce moment dans des thèses, hein, qui comprend les entreprises de journalisme, de littérature panoramique, les muséums, les physiologies, les vaudevilles et la légende qui, à mon avis, devrait susciter une grande thèse dans les années à venir. En tout cas, c'est un très bon sujet. Il est donc évident que la caricature du jeune homme se fait l'émettrice à travers une énonciation collective, d'un discours social courant d'une part, et d'autre part que ce dispositif tient autant à la légende qu'au dessin. Donc je laisse de côté cette histoire de légende et d'atelier collectif, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc je reviens à mon histoire des masculinités. Parmi les premières fois décisives, outre les risques, qui sont l'occasion dès le lycée d'exprimer son courage, la première affaire d'honneur, hein, que vous voyez ici, qui conduit parfois au duel, permet au jeune homme de montrer qu'il possède tous les attributs de la masculinité, force, courage, honneur et violence. Et comme vous voyez à partir de la légende de ce dessin de Gavarni, les motifs du premier duel peuvent être tout à fait triviaux. Ici, une simple bouffée de cigare. Mais évidemment, la vraie première fois, c'est la première fois sexuelle. Alors, dans les pratiques, les historiens des masculinités l'ont montré depuis longtemps, la sociabilité masculine privilégie la grivoiserie et la preuve virile explicite, souvent dans des expériences collectives, dans les maisons de passe. Hein, c'est comme ça que ça se passe dans la première moitié du 19e siècle. Alors évidemment, la caricature qui a vocation à être gardée en famille évite d'être trop explicite sur ce point. Mais elle montre bien quand même que la défaillance, l'inexpérience de la première fois guette la trop grande jeunesse et de nombreuses images invitent à se moquer du débutant en amour. Alors dans ce premier rendez-vous, le jeune homme, droit comme un i, a l'air passablement emprunté et le couple ne semble pas très bien assorti. Alors contrairement aux grisettes de Gavarni, hein, les demoiselles de Daumier, ne sont pas très affriolantes. Surtout, cette caricature est suivie deux numéros plus tard
d'une nouvelle image, hein, avec cette légende au papa, où l'on voit le père, censeur, castrateur, une fois de plus, qui intervient et qui va mettre bon ordre à ces désordres et ces débordements. Alors, dans la caricature, le père, qui incarne souvent les valeurs héroïques d'un passé idéalisé, c'est celui qui, lui, a pu devenir homme par la guerre, et la figure auquel le jeune homme doit se mesurer. La figure du père constitue une forme d'horizon indépassable, alors que le jeune homme, lui, vit dans un nouveau monde où la preuve privée et non militaire constitue l'essentiel de l'acquisition de la virilité. C'est ce que constate dépité ce malheureux jeune homme de chez Gavarni. Cette année, j'ai fait 3 femmes et j'ai culotté 5 pipes. C'est vraiment un homme, hein, on voit ça tout de suite. Sans compter les fioles que j'ai décoiffées, les carreaux que j'ai cassés et les municipaux que j'ai cognés. Et tu verras que mon auguste père va encore dire que je n'ai rien fait. Donc, les débuts dans la séduction sont souvent difficiles, comme le montre cette autre image, où cette fois le malheur vient du mari, qui avec son bâton va vite désabuser le jeune homme trop confiant. Hein. Au revoir, mon idolâtré. Puisque tu m'aimes, rien désormais ne pourra troubler notre bonheur. Donc parfois, Daumier aussi invite à se moquer de celui qui a trop de scrupules et qui ne maîtrise pas les conventions du langage amoureux. Alors en voici une que j'aime bien. Hein, c'est un collégien qui n'a pas assez d'expérience sexuelle pour entendre derrière les fausses protestations de la dame des encouragements. Alors la grosse dame, alors c'est un début galant, la grosse dame, Minaudant, finissez monsieur Victor, vous êtes un véritable faublas. Songez donc que nous sommes seuls. Le collégien à part, ma foi tant pis, je risque tout, je vais lui embrasser la main. Donc ce que, même la mention de faublas donc n'éclaire pas le jeune homme, et puis même le prénom du jeune homme aussi est amusant, hein, puisque cet innocent a un prénom de vainqueur, hein, qui lui va pas très bien. Ce que souligne également la caricature, c'est qu'un homme accompli, sans aucun scrupule, pousserait son avantage jusqu'au bout. Encore un des arguments de la caricature, mais ça qu'on connaît bien, c'est la disproportion entre les corps. Hein. La grosse dame, confrontée au petit corps de l'adolescent, est un instrument incomparable du comique, hein, qu'on retrouve souvent. Et je vous en montre un autre exemple, la caricature suivante, qui met en évidence ce qui peut être en jeu dans la disproportion des corps. En face du jeune homme à la tournure presque féminine, et de temps en temps on en a chez Gavarni, des jeunes hommes comme ça, une imposante débardeuse, avec ses manières populaires, se dresse, va dire à ta mère quatre mouches. Et là on voit bien, hein, qu'on est devant un certain dédain, et qu'il y a une certaine inversion des valeurs, qui en renvoie à l'enfance, qui font planer sur le jeune homme le spectre de l'impuissance. Alors quel est l'ultime accomplissement de ces jeunes hommes? On va y revenir. Finalement, devenir bourgeois à leur tour et pater familial, ça c'est ça l'acquisition finalement de la virilité. Et donc la caricature évoque de temps en temps, d'ailleurs plutôt dans des caricatures plus tardives, à la fin des années 40, voire dans les années 50, la question du choix de l'État, qui est évidemment essentielle. Alors il y a je vous ai relevé une légende qui évoque ce choix crucial. On voit un épicier en pied et la légende, c'est « Vous avez des états où avec rien que de l'intelligence, un jeune homme qui voudra arriver arrivera. » Dans l'épicerie, c'est pas ça. Donc on le voit, la caricature, malgré les biais que j'ai énumérés d'emblée, hein, sur lesquels j'ai attiré votre attention d'emblée, interroge de manière assez transparente la question de la construction de la masculinité. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, parce que vous avez vu beaucoup plus de corpus que moi, mais je trouve ça assez clair. Elle le fait de manière relativement consensuelle. Il s'agit de divertir des maladresses de l'adolescent dans l'accès à la masculinité. On peut penser aussi qu'elle peut éduquer, puisqu'elle contient des enseignements pour celui qui lit, hein, sur la table familiale, le charivari. Alors, pour un spécialiste de la monarchie de Juillet, et là, je retrouve un peu plus mes éléments. Une question un peu taraudante se pose alors. Est-on devant un type, comme la caricature et la physiologie de l'époque savent les produire, ou pas? Hein, tout à l'heure, Véronique disait, le jeune homme, vous n'êtes pas sûr de l'avoir trouvé. Eh bien, moi aussi, c'était la question que je me posais. Est-ce que, si j'ai trouvé le jeune homme, je dois avoir un type? Or, où est mon type?
En fait, vous le savez, la monarchie du Yé s'est spécialisée dans la mise en type de la société. La complexité nouvelle de la société post-révolutionnaire a exigé de faire apparaître des personnages auxquels tout le visible puisse être aisément réduit pour que finalement la déambulation sociale et littéraire ne soit qu'une reconnaissance. Et donc dans le type, l'individuel doit rejoindre le général. Il s'agit d'articuler une situation sociale avec un ensemble de traits distincts qui se combinent en un modèle à travers lequel toute une catégorie humaine puisse se définir. Comme l'a souligné Ruth Amossi, le 19e siècle croit au type comme un instrument de connaissance précieux. Je la cite, « Le personnage typique, en qui l'individuel rejoint le général, le modèle réduit à travers lequel toute une catégorie humaine se définit, est le fondement de la représentation artistique qui entend prodiguer un savoir sur le social et la valeur épistémologique. » Et se sont notamment spécialisés dans cette définition du type, la littérature de tableaux de mœurs, les physiologies et le journal de caricature, hein, tous ces objets qui sont en ce moment en train d'être étudiés par votre génération. La monarchie du Yé a donc élu ces silhouettes typiques qui ont suscité une littérature documentaire prolifique et qui ensuite fictionnalisée ont circulé dans le roman. Hein, des types, la grisette, le flâneur, l'épicier, constituent quelques-uns des représentants de ce personnel fourni. Alors, avec le jeune homme, est-on devant ce genre de représentation? C'est sans doute une question essentielle. Alors, je dois dire que j'ai beaucoup hésité. Pendant la préparation de cette conférence, hein, je suis passée par plusieurs états. J'avais même à un moment une image que je trouvais assez drôle, hein, en référence à « Ceci n'est pas une pipe ». J'avais « Ceci n'est pas un type ». Et j'avais une image de Gavarni. En dessous, j'avais cette légende « Ceci n'est pas un type » avec évidemment l'idée que, bon, ça, en même temps, oui, c'est un type, mais ce n'est pas un, etc. Donc, bon, vous avez échappé à ça. Alors, plusieurs faits expliquent ma réticence à envisager le jeune homme comme un type. Peut-être que vous allez retrouver ici certaines des interrogations que vous avez eues pendant le séminaire. D'abord, vous avez remarqué sans doute la variété des silhouettes attachées au jeune homme dans la caricature. Il existe un hiatus net, profond, entre le jeune Yé croqué par Daumier, dont on a vu plusieurs images, et les silhouettes plus élaborées, plus élégantes aussi, de Gavarni. L'expression d'ailleurs « jeune homme », vous l'avez vu dans la caricature, vous pourriez me poser la question « comment vous avez défini votre corpus de jeune homme ?» Vous avez vu que l'expression « jeune homme », on l'a vu dans certaines légendes, avec une intention ironique et parfois visiblement antifrastique, est utilisée pour des collégiens et des garçons très jeunes, dont on ne penserait pas, hein, qu'ils ont entre 18 et 25 ans, puisque c'est ce que le grand Larousse universel, j'ai été vérifié, donne comme définition du jeune homme. Donc, un éventail très large de représentations possibles. Ensuite, deuxième point qui m'a un peu intriguée, il n'existe pas de physiologie du jeune homme, comme on a une physiologie de la flâneuse, une physiologie de la grisette. Hein. La littérature des années 40, avec la maison Aubert, a considérablement développé ce genre de brochure. Il n'y a pas, ni dans l'ensemble de la littérature panoramique, ni dans les Français par eux-mêmes, hein, où il y a peut-être 400 types, je n'ai pas trouvé d'article spécialement consacré au jeune homme, alors même qu'il existe plusieurs physiologies, par exemple, de la jeune fille. Donc, dans une époque obsédée par la physiologie, où les types se comptent par centaines, il faut interroger cette absence. Il existe en fait un texte d'Hetzel à vocation physiologique qui figure en préface à la série de gravures La vie de jeune homme de Gavarni. Alors je vais vous le lire parce que pour vous je pense que c'est un texte évidemment intéressant, puis après je vous dirai ce que j'en pense. Être jeune enfin, au préjugé, au jeune homme, qui que tu sois, pauvre ou millionnaire, laboureur ou soldat, artiste ou artisan, c'est-à-dire entrer dans cette carrière encombrée qui s'appelle la vie, y entrer, la poitrine découverte et les yeux bandés, pour y disputer à travers mille embûches la part des peines et de misères, c'est-à-dire commencer sa toile si l'on est araignée, sa prison si l'on est ver à soie, essayer son vol par des chutes si l'on est oiseau, percer sa chrysalide avec des ailes mouillées avant d'en sortir papillon, entendre son premier coup de fusil si l'on est lièvre, être rapin au lieu d'être un grand peintre, mousse plutôt que d'être amiral, soldat pour arriver à l'hôpital, chercher le sourire de Don Juan sur les lèvres des femmes honnêtes à l'opéra,
être absurde, boursouflé, ampoulé si l'on est écrivain, préférer Monsieur Hugo à Monsieur Racine et peut-être à Corneille, être en germe enfin au lieu d'être fruit, être gland en attendant qu'on soit chêne, si le hasard ne vous mène pas à la basse-cour, c'est le bonheur. Eh bien oui, c'est le bonheur, mais non pas le bonheur comme on l'entend, parce que tout est léger dans la vie de jeune homme et que rien n'y pèse. Mais parce que tout y pèse au contraire, parce que tout y est sérieux, depuis le duel jusqu'à l'offense faite à vertu d'un débardeur, jusqu'à l'amour fou, insensé, inconsolable, méprisé pour la grisette du coin. Donc c'est la préface à la vie de jeune homme de Gavarni. Hein. Je vais beaucoup revenir évidemment sur ce recueil de caricatures, enfin de dessins de Gavarni. Et c'est 1800 ? 1840 et quelques, j'ai pas la date. En fait, il faudrait vérifier la date. Je me suis posé la question, puis j'ai oublié de vérifier. Parce que en fait, je pense que c'est dans une réédition que Hetzel a mis sa préface. Et donc, du coup, c'est vrai que j'avais cette idée, j'ai après oublié de vérifier. Alors, le problème, bon, alors là, vous avez un beau texte, hein, sur le jeune homme. Là, vous pouvez, dans votre anthologie, je pense qu'il a sa place, tout à fait. Mais le problème, c'est que cette préface physiologique, on va le voir, tranche absolument avec le recueil de Gavarni, dont il est l'ouverture, qui lui présente un paradigme complètement différent de jeunes hommes faisant gaiement leur éducation sentimentale. Donc il y a une sorte de hiatus, hein. Si on était vraiment dans le type, ben, on devrait avoir convergence, surtout dans un texte qui ouvre. Donc encore une hésitation. Et enfin, dernier point aussi qui m'a fait hésiter, hein, qui a fait que pendant longtemps, je me suis dit, je vais vous présenter une deuxième partie sur le fait qu'on n'est pas devant un type, que le type nous échappe. Eh bien, c'est l'existence d'un autre type, beaucoup mieux défini, omniprésent, avec un périmètre social clair. Alors, peut-être que vous voyez, qui a sa physiologie, qui a ses représentations, je ne sais pas si vous voyez, qui est tout proche, qui lui est bien défini, avec un périmètre social, contrairement au jeune homme. Il y a la jeune fille, mais là, je cherche du côté du garçon. Non, pas pour cette époque-là. C'est l'étudiant. Oui. Donc, on a l'étudiant de Paris, qui lui est un type parfait, qui a l'inter-iconicité caractéristique du type, qui fait l'objet d'un article de la Bédolière dans Les Français peints par eux-mêmes, d'une physiologie de Louis Huard dessinée par Trimolet et Morisset, et d'une série particulièrement réussie de croquis de Gavarni intitulée Les étudiants de Paris dans le Charivari. Donc là, on a le type, il est là. Donc, est-ce que je vais conclure que le jeune homme n'est pas un type ? Eh bien, il est quand même difficile, je ne sais pas quelle connaissance vous avez du 19e, mais il est quand même difficile à un 19e-iste de conclure que le jeune homme n'est pas un type. Pourquoi ? Parce qu'un familier du siècle, un arpenteur de la presse et des livres illustrés, un lecteur du roman de mœurs, ne peut que penser, à l'instar de ce qu'ont aussi écrit Jeannin ou les Goncourt, que Gavarni est le créateur du type du jeune homme. Si vous avez cette connaissance du 19e siècle, ou même des romans de Balzac, de Flaubert, vous devez avoir une certaine image quand même. Alors peut-être elle est brouillée maintenant que vous avez eu le séminaire, mais vous deviez au moins avoir a priori une certaine image, même une image, un dessin, et peut-être aussi une histoire liée à cette image, une histoire modèle, une histoire du jeune homme. Alors Gavarni, donc, je vais m'intéresser à lui maintenant, a fixé l'élégante silhouette du jeune homme au moment où il était chargé de la publicité du célèbre tailleur Humann dans le Charivari. Donc pendant des années, il a publié des gravures qui représentaient d'élégants mannequins prenant la pose et des mannequins qui dessinaient d'ailleurs une continuité avec sa série intitulée La vie de jeune homme. Alors là, on est vraiment devant le type. Alors, j'ai repris donc cette série, parée en 1841, dans le Charivari. Alors, ce qui fait qu'on est à la fois devant le type et en même temps qu'on peut hésiter à y voir un type, c'est qu'elle est concentrée uniquement sur l'éducation sentimentale du jeune homme, rien d'autre. C'est-à-dire que les questions matérielles que j'ai évoquées, la recherche d'un état, par exemple, les difficultés financières, figurent uniquement en arrière-plan. Et elles surgissent uniquement quand elle pourrait constituer un obstacle au projet amoureux du jeune homme.
Donc la vie de jeune homme, un peu comme... Enfin, l'expression ensuite a été, évidemment, est passée dans la langue courante. La vie de jeune homme, bien, c'est donc une génération de jeunes gens roués, viveurs, un peu cyniques, qui vivent leur vie de garçon avant de se marier et de faire une fin. Donc ils vont souvent deux par deux, et ils se font des confidences à travers des petits dialogues savoureux qui sont condensés dans la légende, hein. Un exemple relevé par Flaubert, par exemple. Donc deux jeunes gens, visiblement pas très occupés. C'est une femme que j'ai bien aimée, farceur. Tu l'as gardée 15 jours, mais je lui ai fait la cour 2 ans. Donc ça, c'est assez emblématique de ce qu'on a dans le recueil La vie de jeune homme. Alors leurs amours, donc, ils sont de deux ordres. D'abord, le jeune homme, il peut avoir une liaison avec une grisette. Comme dans cette gravure, hein, qui associe la jeune femme à la pipe, faisant de l'un comme de l'autre les signes de l'apprentissage d'une identité masculine. Un roman nouveau, un jeune amour, une vieille pipe. Comme on vient de voir ce que signifiait la pipe, on n'a pas de doute. Donc ces amours avec les grisettes peuvent même aboutir au collage, qui est d'ailleurs un fait attesté par les historiens, hein. Eugène et sa petite, par exemple, alors avec la canne aussi, dont on a déjà vu la signification, ou encore plus fort, Monsieur et Madame Ernest. Alors la légende d'ailleurs de cette lithographie se moque, hein, de ce couple presque institutionnalisé qui se promène tranquillement, comme un vieux ménage. En même temps, le prénom montre bien que l'on n'est pas devant un couple marié, car l'une des caractéristiques du jeune homme, on va y revenir, c'est d'être constamment prénommé. Le jeune homme, c'est celui qui n'a pas de nom. Il est Alexandre, il est Eugène, il est Henri, hein, comme l'écrit Louis Huard dans La physiologie de l'étudiant. La grisette latine n'emploie jamais les noms propres. Elle ne connaît que les Léons, les Augustes, les Alfred et autres célébrités de ce calendrier. Ceux qui sont dotés de noms propres, ce sont les bourgeois mariés, les Coquardeaux ou les Tartempions, qui est un nom de la caricature. Pas de mariage, donc, pour ces grisettes, jamais de mariage dans la caricature de Gavarni, malgré les apparences. En fait, le devenir de ces jeunes femmes, c'est d'être abandonnées pendant les vacances, hein, comme dans cette caricature où on réfléchit entre aller à Naples et garder Julia, bon, ben, on va plutôt aller à Naples. D'accord. Elles constituent dans l'argot fleuri des étudiants des veuves de septembre, les grisettes. Elles sont toujours abandonnées pendant les vacances. Et voici encore une légende bien cynique. Donc deux jeunes gens. Adieu mon bonhomme, je te laisse ma pipe et ma femme. T'auras bien soin de ma pipe. Donc premier type d'amour, la grisette. Deuxième genre d'amour cultivé par le jeune homme, c'est la femme mariée, la femme de 30 ans disons. La physiologie de l'étudiant, d'ailleurs, estime que le passage à cette étape manifeste que le jeune homme a progressé dans l'étude du cœur féminin. La gravure met donc en scène des maris, ou la lithographie met donc en scène des maris tellement aveugles qu'ils sont à la limite de la complaisance. En voici un, mais il se nomme Coquardeau. Hein. Et Coquardeau, c'est le nom réservé aux bourgeois stupides de la caricature du charivari, et puis, comme l'indique l'assonance du nom, aux maris trompés. Donc Coquardeau, on n'est pas étonné, il présente complaisamment sa femme à un jeune homme. Voyez-vous là au second quadrille des épis de diamants ? Charmante personne. Je veux vous présenter après la danse, vous serez enchanté de faire la connaissance de la baronne de Coquardeau. Je le suis déjà, monsieur le baron, d'avoir fait la vôtre. Alors la suite, hein, c'est un peu comme dans les... On pourra avoir la suite, hein. Ça pourrait être la suite. Un autre, ou le même, qui découvrant sa femme et un jeune homme profondément endormi après avoir été laissé en tête à tête, pense que c'est l'ennui qui les a plongés dans un profond sommeil. Comme ils se sont amusés avec leur sot roman, au lieu de venir avec moi à la Comédie Française, ils auraient vu Georges Dandin, les Nigauds. Excuse-moi, est-ce que c'est Gavarni non plus qui écrivait pas ces légendes ? Alors si, je vais y revenir. D'accord. Gavarni, lui, écrivait ces légendes et donc... Je vais y revenir, ça va être un des petits moments où je vais me retrouver avec mes sujets. Et ça va aller assez loin, hein, parce que c'est bien, l'intéressant, c'est bien que Gavarni écrive ses légendes. Donc, cette séquence est réduite dans le temps, puisque en fait, comme l'écrit la physiologie de l'étudiant, je l'ai dit tout à l'heure, une fois que le jeune homme a fini son éducation sentimentale, il va lui-même devenir un coquardeau.
Alors, voici la physiologie de l'étudiant, décrit ce qui se passe hein, quand l'étudiant a terminé ses études et qu'il rentre en province. Eh bien, toujours sans autre comparaison, l'étudiant nous offre le spectacle prodigieux d'une métempsychose non moins étonnante, seulement elle a lieu en sens inverse, c'est-à-dire qu'après avoir voltigé pendant 3 ans à Paris, le brillant papillon, une fois retourné en province, se transforme en chrysalide pour le restant de ses jours. Et lorsque l'ancien étudiant fait un petit voyage à Paris, c'est à peine si dans ce gros bourgeois, l'œil de Fifine elle-même peut reconnaître son ancien Alfred à 15 pas et à 15 ans de distance. Ce qu'on retrouve dans la lithographie de Gavarni, hein, qui montre que d'ailleurs que les jeunes hommes eux-mêmes sont parfaitement conscients du caractère éphémère de l'identité du jeune homme et de la vie qui est associée. Donc deux jeunes hommes qui discutent. « Et mon cher, ne te plains pas, tu seras médecin, je serai procureur du roi. Quand tu seras obligé d'avoir du talent, je serai forcé d'avoir des mœurs, c'est ça qui sera dur. » Donc c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à savoir si on est devant un type. C'est quelque chose qui est complètement éphémère. Alors il me semble cependant, donc si je me pose la question à partir de cette série, qu'on peut conclure qu'on a là effectivement localisé ici un type qu'on reconnaît, on reconnaît cette silhouette, on reconnaît ce scénario topique dans les autres séries de Gavarni d'abord. Il suffit par exemple dans d'autres séries d'évoquer un prénom dans une légende pour que se dessine in absentia dans l'esprit du lecteur les caractéristiques du jeune homme et que la séquence prenne tout son sel. Alors dans une autre série, Fourberie de femmes en matière de sentiments, alors j'espère que vous serez d'accord avec moi, hein. Comment ma petite, je viens de rencontrer ton mari avec Monsieur Edouard, tout de suite on sait, c'est le jeune homme, etc. Donc, et même on voit même le triangle qui commence à se dessiner. Eh bien, à ça, ils sont donc bien ensemble à présent ? Parbleu ! Oh Virginie, je te reconnais bien là. Donc, il y a tout un implicite, vous êtes d'accord, hein, qui est dans cette légende et qu'on ne peut déplier, qu'on ne peut comprendre que si on connaît, si on a compris comment fonctionne le scénario du jeune homme. Donc, on reconnaît donc non seulement le jeune homme avec sa silhouette et son idiosyncrasie dans les autres séries de Gavarni, il est le passe-temps recherché des femmes mariées dans Fourberie de femmes. C'est pour ses plaisirs et non pour ses études qu'il tente, dans les étudiants de Paris, de tirer quelques monnaies de son oncle à héritage. Et quand il est à Clichy, donc Clichy, autre série de Gavarni, et qui est aussi la prison pour dettes, il rêve d'être à Tivoli avec sa maîtresse. Donc sur le chemin de la masculinité qui va le conduire in fine à être un parfait bourgeois, il est obsédé par son éducation sentimentale entre grisette et femme mariée. Alors que penser du scénario que dessine ici Gavarni ? Il me semble, et je dois dire que la lecture soigneuse que j'ai faite des historiens de la masculinité ne m'a pas démenti, il me semble qu'il s'agit en partie d'une fictionnalisation de la réalité. Les historiens de la sexualité ont par exemple montré, à partir d'autres archives, que l'éducation sexuelle des jeunes gens de la bourgeoisie dans la première moitié du XIXe siècle se faisait prioritairement au bordel, souvent dans des moments d'initiation collective. Or, cet espace est largement éludé dans les caricatures de Gavarni, seul peut-être, ici, quelque allusion à une mademoiselle bien-aimée semble évoquer ces pratiques. Hein, on trouve de manière enfin, deux ou trois fois, j'ai vu cette porte avec cette mademoiselle bien-aimée à laquelle on vient régulièrement frapper. Mon hypothèse, donc, est que le scénario de la vie de jeune homme est une mise en image et en légende de la matrice romanesque de la comédie humaine. Depuis la physiologie du mariage, on le sait, Gavarni a été l'admirateur et même parfois l'illustrateur de Balzac. Tous les commentaires de Gavarni, qu'ils soient d'époque, qu'ils soient contemporains, depuis Jules Janin jusqu'à Ségolène Le Mène, ont constaté la proximité de leurs œuvres. Donc, je vous ai mis 3 citations depuis Jules Janin jusqu'à Ségolène Le Mène, hein, qui à chaque fois montrent la proximité des deux hommes. Et je ne sais pas si vous avez, à l'occasion du séminaire, lu La physiologie du mariage, hein, de Balzac.
sur la seconde moitié. Donc très bien. Donc dès la physiologie du mariage, Balzac avait insisté, c'est même le nœud non seulement de la physiologie mais ensuite de la comédie humaine, sur le danger que constitue pour les couples mariés la présence d'une tribu de jeunes gens en mal d'amour. Je vous lis une petite citation de la physiologie du mariage qui est particulièrement intéressante, je pense, pour vous qui travaillez sur le jeune homme. D'ailleurs, c'est tout de suite à ça que j'ai pensé quand Véronique m'a parlé du jeune homme. L'âge moyen auquel l'homme se marie est celui de 30 ans. L'âge moyen auquel ses passions, ses désirs les plus violents de jouissance génésique se développent est celui de 20 ans. Or, pas dans les 10 plus belles années de sa vie, pas dans la verte saison où sa beauté, sa jeunesse et son esprit le rendent plus menaçant pour les maris qu'à toute autre époque de son existence, il reste sans trouver à satisfaire légalement cet irrésistible besoin d'aimer qui ébranle son être tout entier. La comédie humaine tout entière est fondée sur cette loi. L'adultère est inéluctable à partir du moment où les jeunes gens se marient tard et où ils vont fréquenter des femmes de 30 ans qui, mariées entre 16 et 18, ont déjà rempli leurs obligations de maternité, ne sont pas amoureuses de leurs barbons de mari, qui ont bien 40 ans, et ont encore, ces femmes de 30 ans, un fort potentiel de séduction, c'est ce qu'a montré Balzac. Donc les jeunes gens de la comédie humaine, tels Rastignac ou Maxime de Trailles dans le Père Goriot, et on voit bien comment les illustrations de Gavarnie, ben, ça pourrait être les illustrations de ces jeunes gens-là, les jeunes gens de la comédie humaine, tels Rastignac ou Maxime de Trailles dans le Père Goriot, Félix de Vandenesse dans le Lys dans la vallée, ou Lucien de Rubempré dans l'Illusion perdue, cèdent tous à cette loi naturelle et sociale, la loi de l'adultère, qui est le socle, alors non seulement, même je vais aller un peu plus loin, le socle non seulement de la comédie humaine, mais du roman de mœurs dans son ensemble au XIXe siècle. Ces jeunes gens, d'ailleurs, sont souvent soumis à une double tentation, exactement comme les jeunes gens de Gavarnie. Une jeune fille pauvre, une actrice, une grisette, une petite bourgeoise en attente d'héritage d'un côté, et une femme mariée de la haute bourgeoisie, voire de l'aristocratie. Hein, pensez Rastignac, Lucien de Rubempré, et à chaque fois, vous avez le même dispositif à trois. Donc, cette circulation entre univers romanesque et univers graphique constitue une forme d'hybridation et de contamination caractéristique du XIXe siècle et dont le journal a été le creuset. Hein, ce que j'ai vu là, je l'ai vu pour d'autres phénomènes. On trouve encore, et on pourrait aussi dire qu'on trouve ici un exemple de cette gnoséologie romanesque que Marc Angenot a identifié à la fin du siècle, mais qui est déjà opératoire grâce à la presse sous la monarchie de Juillet. Les jeunes gens de Gavarnie ne sont pas de pures icônes, je pense qu'on l'a vu, ils sont les personnages d'un récit qui n'a pas besoin d'être complètement déplié pour que le lecteur l'identifie. Ils sont déjà dans une fiction, même quand ils se présentent avec deux mots à la bouche. Donc, nous sommes ici devant un phénomène de transmédialité. Vous voyez que je retrouve mes billes, caractéristiques de l'entrée dans l'ère médiatique, avec la nouvelle circulation culturelle qu'elle a permise et la formidable démultiplication des produits offerts au public. Comme l'a montré Mathieu Letourneux dans son dernier essai, qui est encore inédit mais qui va bientôt paraître, sur la poétique de la sérialité, c'est dans cette perspective de consommation culturelle que s'est généralisé le principe de déclinaison des grands succès littéraires du XIXe siècle d'un mode d'expression l'autre. Donc la logique de transmédiatique repose sur un principe de complémentarité et d'échange entre les différents espaces, ici entre le roman et la page 3 du Charivari, si bien qu'elle appelle le va-et-vient entre les différents médias. Hein. Ce qui est raconté dans la comédie humaine, bah, ça circule du côté de la page 3 du Charivari, et on va voir évidemment qu'il va y avoir des effets retours et que la page 3 du Charivari va revenir dans le roman de la seconde moitié du XIXe siècle, puisque j'ai promis d'arriver là à la fin. Donc, les légendes les plus elliptiques sont décryptées par le lecteur grâce à sa connaissance du script général. Mais le succès et, de cette typisation et la productivité de cet imaginaire du jeune homme gavarnien ne sont pas seulement dus, je pense, à l'élégance du dessin, ni même à la cohérence transmédiatique du scénario, mais également à l'efficacité du dispositif global, et c'est là que j'en arrive à la légende. Je voudrais m'arrêter un moment sur un des éléments essentiels du succès de Gavarnie, c'est-à-dire la légende.
tous les commentateurs ont souligné l'extrême inventivité de la légende de Gavarni. Alors, ils l'ont fait, évidemment, parce que je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des caricaturistes n'écrivaient pas leur légende. Hein. Nous sommes là devant une exception. Gavarni, c'est une exception. Bon, il y en a quelques autres. Cam, par exemple, aussi rédigeait ses légendes. Mais la plupart avaient ces légendeurs hein, à leur service. Donc, les légendes de Gavarni, elles sont tellement prisées qu'elles donnent même lieu à un curieux renversement éditorial dans un ouvrage qui paraît en 1868, qui est intitulé « Masque et visage » et que l'on pourrait même interpréter comme un recueil de légendes. En fait, le dispositif choisi, je vous montre un petit exemple, il est quasiment inverse de celui qui aujourd'hui réédite les lithographies de Daumier en les dissociant de leurs légendes. Hein. C'est ce qu'on trouve dans certains livres d'art. Ici, vous voyez, les illustrations sont réduites à de minuscules microscopiques vignettes. Hein. On ne voit plus qu'une esquisse, mais on comprend bien, c'est le jeune homme avec le petit gamin, c'est Gavroche, donc le gamin et Gavroche sont en train de parler ensemble, on a à peine besoin de plus, donc on est bien devant une écriture du type. Tandis que la légende est imprimée en gros caractères. Donc dans l'exemple que je vous montre, l'image met en scène la rencontre de deux types, le jeune homme gavarnien et le gamin de Paris. Ne va pas te tromper, si c'est un monsieur qui t'ouvre, tu diras ce que je t'ai dit. Si c'est une dame, tu diras rien, tu donneras ça. Si c'est une bonne aussi, ou une petite fille. Ah, il y a toujours que le monsieur qui ne doit pas voir, c'est ça. D'accord, et là c'est pareil, hein. Vous avez votre script, vous savez, vous voyez très bien où on est, hein, dans quelle configuration on est. Donc, comme en témoignent Masque et Visage, les légendes les plus prisées sont celles nombreuses qui font des éclats d'un petit dialogue au pied de l'illustration. En fait, l'intérêt de la légende racontée comme ça, la légende dialoguée, pardon, c'est qu'elle permet une coïncidence entre le temps de l'histoire racontée et le temps du récit racontant. Et qu'elle produit un petit effet d'isochronie particulièrement efficace dans le régime temporel de la presse satirique quotidienne. Donc tous les commentateurs signalent la force des légendes de Gavarni. Et l'on trouve très fréquemment, enfin si vous faites la recherche vous verrez, hein, sur Frantexte ou même sur Gallica, on trouve très fréquemment dans les recueils de souvenirs des écrivains, des politiques, des évocations de légendes particulièrement réussies qui sont réinvesties comme des citations. Alors évidemment les Goncourt par exemple, grands admirateurs de Gavarni, passent leur temps à citer dans leur journal des légendes. Par exemple, je vous lis ici, « Enfoncé, dit l'un de nous à l'autre, avec cet affaissement moral et physique qu'a si bien peint Gavarni dans l'écroulement de ce jeune homme tombé sur la chaise d'une cellule de Clichy. » Je vous montre la caricature à laquelle ils font allusion. Hein. Un jeune homme qui vient de se faire arrêter pour dette hein, et qui est... Ou encore Paul Bourget, dans sa Physiologie de l'amour moderne, cite « Le déguisé en un qui s'ennuie, qui s'embête à mort. » Alors, je vous montre la... l'image, c'est un diplomate, donc c'est au carnaval, hein. C'est un diplomate, c'est un épicier, non, c'est un mari d'une femme agréable. Non, Cabochier, mon ami, vous avez donc vu que vous ne voyez pas que monsieur est un jeune homme, farceur comme tout, déguisé en un qui s'embête à mort. Donc c'est en fait, ces petits éclats, c'est comme des citations, comme des si. Vous savez, ces choses qu'on se répète, comme nous, on se répéterait des petits slogans publicitaires qui font rire. Et lorsque Flaubert, dans le dictionnaire des idées reçues, met derrière « jeune homme, toujours farceur », vous l'avez vu plusieurs fois ici, le farceur, c'est encore du Gavarni. Et dans les trois cas, vous voyez que ce qui est épinglé, ce qui est gardé de la légende de Gavarni, c'est trois silhouettes de jeune homme, hein, le farceur, le déguisé en un qui s'embête à mort, hein, et celui qui est enfoncé. Donc trois jeunes hommes pérennisés par la parole vive de la légende hein, qui circule ensuite. Alors ces petites scénettes, elles obéissent à une double motivation. Créer un effet comique, sensible souvent dans le renversement à la pointe. Parfois vous avez esquissé un sourire. Procédé que l'on retrouvera dans l'histoire drôle ou dans la nouvelle à la main. Mais aussi, et vous l'avez vu peut-être aussi, mettre en scène des parlers. Des parlers très spécifiques. Hein. On a vu des contractions déguisées en nains qui s'embêtent à mort par exemple. Des sociolectes, des idiolectes, trouver des formes de transcription de l'oralité qui rendent compte de la variété des parlures, et notamment des parlures que l'on ne trouve généralement pas dans le journal quotidien. Donc, à ces études corporelles que représentent le dessin ou les silhouettes, les légendes vont apporter le complément d'une analyse langagière en répertoriant les sociolectes de chaque tranche de la population, et notamment de la jeunesse, les pataquès, les néologismes les plus courants, les solipsismes,
Par exemple, ici, hein, cette image que j'aime bien. Donc, bon, on connaît le script, on voit tout de suite l'image, on sait où on en est, hein, dans l'entreprise de subjonction. Vous reverrai-je ? Allons, oui, où, ici, quand, demain. Mais partez vite. Ange, encore un mot. Vous êtes marié ? Parbleu. D'accord, hein, et tout d'un coup, il y a une sorte de rupture. Hein, de, on était dans quelque chose de très idyllique. Et puis, bon, la grosse voix de la dame, parbleu, oui, évidemment, je suis mariée. Hein, on est dans une légende de Gavarni. Vous êtes en train de me faire la cour. J'ai 30 ans, vous en avez 20. Bon, c'est une évidence. Hein. Donc, la légende joue sur un effet contradictoire de familiarité et de décalage qui est très net ici. L'effet de proximité joue d'abord avec le monde, parce que les images mettent en scène des situations de la vie quotidienne. Là, un homme qui accoste une dame dans la rue. Mais aussi, et je pense surtout, de familiarité intratextuelle. D'accord ? Ce qu'on reconnaît, c'est pas tellement le monsieur qui aborde la dame dans la rue, c'est la caricature ou la charge qu'on a déjà vue, enfin la somme de légendes et d'images qu'on a déjà vues et qui racontent la même histoire. Donc, ces légendes sont fondées sur les scénarios topiques de la vie de jeune homme véhiculés par les romans et par le journal de caricature. Le lecteur est donc plongé dans un monde qu'il peut identifier comme sien, sans vraiment faire la différence entre la familiarité qui tient à la référentialité du dessin, le fait que ça se rapporte à la vie, et surtout celle qui relève du caractère topique d'un univers qui s'est stabilisé et construit jour après jour, année après année, à la page 3 quotidienne qu'on regarde dans le Charivari. D'accord ? Et donc je pense que finalement, hein, la force du discours social presque fictif, elle est plus forte que la force des représentations, enfin des événements réels. Alors donc, effet de familiarité, et puis effet de décalage d'inattendu. Il faut le décalage d'inattendu pour que le rire surgisse. Et donc l'effet comique peut être produit par un écart interne à l'intérieur même de la légende, sur le principe de l'histoire drôle comme ici, ou par un hiatus produit entre le dessin et la légende. Donc on voit bien la force du dispositif global qui se dégage de cette série, La vie du jeune homme. Elle provoque 5 modes de sémiotisation et donc de reconstruction de la réalité. Et donc je reprends et j'adapte ici à ma sauce des catégories de Pierre Popovic. D'abord, une narrativité, on l'a vu, fondée sur la fiction latente, matricielle, que je pense issue de la comédie humaine, celle du jeune homme et de ses doubles amours. Ensuite, une poéticité qui multiplie les figures de sens, les métaphores, les métonymes et les synecdotes, hein, déguisées en un jeune homme qui s'embête à mort. Et puis, évidemment, comme poétique ou comme manifestation maximale de cette poétique, l'expression de la vie de jeune homme, qu'on emploiera ensuite comme un cliché après Gavarni. Des régimes cognitifs sur ce qu'est un jeune homme et sur ce que doit être l'apprentissage de la masculinité et un enseignement à tirer. Une iconicité, évidemment, sensible à travers les images de Gavarni, hein, ce sont des images qui restent, et puis une théâtralité, visible à travers la forme dialogique des légendes. Cependant, donc narrativité, la fiction, l'attente de la comédie, issue de la comédie humaine, à mon avis, donc, la poéticité, tout ce qui vient des figures de sens, de métonymie, tout le langage qui est créé, et toutes ces expressions qui ensuite vont circuler, hein, comme des expressions communes qu'on se partage, qu'on connaît, parce qu'on partage, on ne cite plus des citations latines, mais on cite les légendes de Gavarni, hein, comme connivence. Les régimes cognitifs, c'est-à-dire la connaissance qu'on peut avoir ensuite de ce qu'est la masculinité à partir de ces images. L'iconicité, hein, qui vient de l'illustration elle-même, et la théâtralité dans le dialogue. Alors cependant, en théoricienne de la poétique du support, il me semble, et ça va être mon dernier temps, beaucoup plus bref, je vous rassure, qu'il ne faut pas négliger la force du dispositif. Et je vais insister maintenant sur le dispositif qui me semble imprégner aussi les imaginaires. Et je voudrais montrer pour terminer plus rapidement la prégnance du dispositif dans la circulation du motif gavarnien, si vous m'autorisez ça, dans le roman de la seconde moitié du 19e siècle. Donc j'arrive à votre corpus. Que reste-t-il de ce dispositif, hein, vous avez vu qu'on était plutôt dans les années 40, donc en début de siècle, enfin, première moitié. Que reste-t-il de ce dispositif qui est lié à un fort imaginaire, me semble-t-il, dans le roman de la seconde moitié du siècle? Si mon hypothèse est vraie, si c'est un fort imaginaire, on va le retrouver d'une manière ou d'une autre dans le roman de la seconde moitié du siècle. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est moins le scénario topique,
du jeune homme et de ses doubles amours qui est, c'est évident, présent et retravaillé par le roman réaliste et naturaliste, que, parce que c'est le support qui m'intéresse, hein, c'est ça sur quoi je travaille en général, que les effets du dispositif total. Je voudrais travailler ici moins avec les outils de l'imaginaire des masculinités ou de la théorie de l'image qu'avec les ambitions d'une poétique du support. Alors la poétique du support, c'est l'ensemble des données esthétiques liées à la prise en compte spécifique du médium par l'auteur. Hein, quand on est un auteur, comme Gavarni, ben on sait qu'on n'a pas beaucoup de place, par exemple, pour faire la légende. Hein, enfin, c'est un éclat, on doit s'adapter à son support. Donc là, il s'agit donc de cerner la manière dont les auteurs se servent du support comme d'un dispositif pour conforter la poétique de leur texte, mais surtout, chez les romanciers, chez les hommes de lettres, la manière dont ils vont réussir à littérariser les supports pour les intégrer à leurs œuvres. Alors, si l'imaginaire du dispositif de Gavarni est si prégnant, comme je l'ai dit plus haut, on doit imaginer qu'il pourrait y avoir un effet retour du support illustré et de sa grammaire, et que nous devrions avoir, dans le roman du XIXe siècle, un imaginaire du support littérarisé. Alors, je vais simplement ici amorcer, parce que je n'ai pas, vous en doutez, hein, ce serait une thèse, vous en doutez, je vais juste amorcer à partir de deux exemples, amorcer mes réflexions sur la littérarisation du dispositif du jeune homme gavarnien dans le roman. Alors, le dispositif, pour moi, à minima, c'est une icône, une image, hein, celle du jeune homme élégant, un scénario, le scénario que j'ai décrit, topique, hein, le jeune homme entre ses deux amours, et une forme de parole vive, d'éclat, la légende, souvent signifiée par l'italique. Alors, j'ai pas eu de mal à retrouver, en fait, ce dispositif. Je l'ai retrouvé exactement dans les deux romans que je suis allée voir en premier. Bon, je me suis arrêtée là, hein, j'ai jugé que ça suffisait, mais j'invite ceux qui le souhaitent à aller voir. Et puis sûrement vous qui avez lu avec cette perspective du jeune homme d'autres corpus, vous avez sans doute des idées. J'ai été chercher dans Les Misérables de Victor Hugo d'une part, hein, et évidemment dans L'éducation sentimentale de Flaubert. Hein. Là, évidemment, j'étais attirée par L'histoire d'un jeune homme, qui est le sous-titre qui était trop beau pour que je n'y aille pas voir. Alors, pour Les Misérables, ce qui m'intéressait, c'était une des séquences inaugurales, la séquence inaugurale de l'abandon de Fantine dans Les Misérables, qui est directement issue du dispositif gavarnien, je vais essayer de le montrer, même si cet abandon se passe sous la Restauration. Il y a un décalage chronologique. Je vous rappelle qu'au début du roman, Victor Hugo décrit une sociabilité de quatre jeunes gens, quatre étudiants. Victor Hugo, je cite, « quatre Oscars quelconques ». Car à cette époque, les Arthur n'existaient pas encore. Pour moi, déjà, là, on a un clignotant, on l'a vu, le prénom, c'est l'indice qu'on est devant le dispositif gavarnien. Ils sont en couple avec quatre grisettes, Dahlia, Zéphine, Favourite, et Fantine. Si pour Fantine, elle est là devant un premier amour, les trois autres grisettes ont déjà souvent été des veuves de septembre, je cite Hugo encore, il y avait déjà plus d'un épisode à leur roman à peine commencé, et l'amoureux qui s'appelait Adolphe au premier chapitre se trouvait être Alphonse au second, Gustave au troisième. Donc le jeune homme qu'aime Fantine, c'est le type du jeune homme vieux dont on trouve, j'ai pas insisté jusqu'à présent, mais dont on trouve aussi des exemples chez Gavarni qui a quelques étudiants, vous l'avez peut-être vu, menacés par la calvitie. Alors, je vous montre une citation de... Je vais essayer de pas trop bouger. Des Misérables. Tholomyès était l'antique étudiant vieux. Il était riche. Il avait 4000 francs de rente. Splendide scandale sur la montagne Sainte-Geneviève. Tholomyès était un viveur de 30 ans, mal conservé. Il était ridé et denté. Et il ébauchait une calvitie dont il disait lui-même sans tristesse. Crâne à 30 ans, genoux à 40. Et l'italique, évidemment, est dans le texte. Et commence à partir de là, dans le texte, la production d'une véritable anthologie d'éclats de voix, de formules bien, bien frappées et mises par Tholomyès, et qui pourrait aussi bien figurer, vous me l'accorderez, j'espère, en bas de portrait de jeune homme, crâne à 30 ans, genou à 40, c'est bien l'esprit de la légende. Alors pour vous convaincre, achever de vous convaincre, j'espère que vous êtes convaincus, du caractère gavarnien de Tholomyès, je vous lis une description. Tholomyès suivait dominant le groupe. Il était très gai, mais on sentait en lui le gouvernement. Il y avait de la dictature dans sa jovialité.
Son ornement principal était un pantalon jambe d'éléphant, en nankin, avec sous-pieds de tresses de cuivre. Il avait un puissant rotin de 200 francs à la main, et comme il se permettait tout, une chose étrange appelée cigare à la bouche. Rien n'étant sacré pour lui, il fumait. Ce Tholomyès est étonnant, disaient les autres avec vénération. Quel pantalon, quelle énergie. Alors là, il n'y a pas d'italique, mais c'est la même chose. Hein. En bas d'une caricature, quel pantalon, quelle énergie, c'est signé. Donc là encore, on est dans le registre de la légende. Il ne manque que l'italique. Donc le roman commence par une étourdissante partie de plaisir. Les jeunes gens conduisent les grisettes à la campagne et la conversation de Tholomyès n'est que calembour, que blague. Hein. C'est là qu'on peut lire par exemple ces aphorismes célèbres de Hugo, le calembour est la fiente de l'esprit qui vole, ou encore, c'est Tholomyès qui parle, l'inattendu génie du syllogisme, c'est beau, il a encore ici-bas des humains qui savent joyeusement ouvrir et fermer la boîte à surprises du paradoxe. Donc la séquence se termine à la Gavarnie, exactement, c'est peut-être encore un peu plus méchant Gavarnie, mais c'est bien l'esprit de Gavarnie. Les jeunes gens ont promis une surprise aux grisettes, elles les attendent à l'auberge, quand elles ouvrent la lettre qui est donc la surprise, cette lettre je vais vous la lire, c'est la fin de la séquence de la vie d'un jeune homme. Donc les jeunes gens les abandonnent et ils leur écrivent la chose suivante, sachez que nous avons des parents vous ne connaissez pas beaucoup ça. Ça s'appelle des pères et des mères dans le code civil, puéril et honnête. Or, ces parents gémissent, ces vieillards nous réclament. Ces bons hommes et ces bonnes femmes nous appellent enfants prodigues. Ils souhaitent nos retours et nous offrent de tuer des veaux. Nous leur obéissons étant vertueux. À l'heure où vous lirez ceci, 5 chevaux fougueux nous rapporteront à nos papas et à nos mamans. Nous fichons le camp, comme dit Bossuet. Nous partons, nous sommes partis. Nous fuyons dans les bras de Lafitte et sur les ailes de Caillard. La diligence de Toulouse nous arrache à l'abîme. Et l'abîme, c'est vous, ô nobles petites. Nous rentrons dans la société, hein, donc nous devenons des hommes. Nous rentrons dans la société, dans le devoir et dans l'ordre, au grand trot, à raison de 3 lieues à l'heure. Il importe à la patrie que nous soyons, comme tout le monde, préfets, pères de famille, gardes champêtres et conseillers d'État. Vénérez-nous, nous nous sacrifions. C'est magnifique, hein. Alors, deuxième roman à avoir utilisé la matrice du dispositif, c'est Flaubert dans l'éducation sentimentale, donc qui porte comme sous-titre « Histoire d'un jeune homme », je terminerai là-dessus. Flaubert s'est abondamment documenté pour l'éducation sentimentale, et on a les dossiers génétiques, et notamment, il a revu des collections entières du Charivari, hein, si on avait un doute, il suffit de regarder les notes. Il a pris des notes sur plusieurs lithographies, notamment celle de Gavarnie. Il a retranscrit dans ses dossiers préparatoires la légende que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est donc une femme que j'ai bien aimée, farceur, tu l'as gardée 15 jours, mais je lui ai fait la cour 2 ans. Enfin, c'est recopié. Il prend aussi des notes sur les costumes de bal qui sont parus dans le Charivari de 1841 et qui vont l'inspirer pour la fête chez Rosanette. Et il met notamment en scène une femme en costume de débardeur. Je m'inspire beaucoup ici, je le précise d'ailleurs, d'un article que j'ai trouvé de M. Takashi Kirushi qui parle de la mémoire des images dans l'éducation sentimentale. Donc le roman est imprégné de l'univers de la caricature. Il contient un personnage de caricaturiste, son base, et je vous rappelle que Jacques Arnoux possède un journal, L'Art industriel, qui est un journal d'art et de gravure. Plusieurs caricatures sont commentées, comme celle de la poire, ou évoquées comme la fameuse poire représentant Louis-Philippe. On voit aussi, par exemple, aisément, combien cette caricature de Daumier, le Gavroche aux Tuileries, a pu inspirer cette séquence fameuse du sac des Tuileries dans l'éducation sentimentale. Donc l'imaginaire général de la caricature imprègne fortement le roman, et l'on voit même un Frédéric qui examine, je cite, « jusque dans les grains du papier, la caricature du Charivari ». Donc la source, elle est bien mentionnée dans le texte. À un autre endroit, Sisy, un personnage du roman, s'étonne de ne pas voir sur la table de Frédéric, je cite, « quelques-unes de ses physiologies nouvelles, physiologie du fumeur, du pêcheur à la ligne, de l'employé de barrière. » On attendrait le jeune homme. Si l'expression « la vie de jeune homme » n'est pas explicitement utilisée par Flaubert, Frédéric vit bien avec Delaurier une séquence de jeune homme. Elle est introduite par 2 phrases, où on retrouve quand même notre expression, et la vie qu'ils avaient tant rêvé commença, elle fut charmante grâce à la beauté de leur jeunesse. Hein, c'est le dépliement même de l'expression. Alors peut-on dire qu'il y a un imaginaire du support littérarisé? Il me semble que oui, et que la série de Gavarnie autour du jeune homme constitue une des sources poétiques.
Le titre du roman fait explicitement référence au type. L'histoire racontée reprend globalement le scénario à la Gavarnie. Hein. Outre le double amour, la femme mariée et Rosanette, qui est une sorte de grisette qui a réussi, on retrouve la sociabilité des jeunes gens, l'existence de l'oncle à héritage, personnage omniprésent de la caricature. Et surtout, dans l'initiation amoureuse, on retrouve la maison de passe, la turque, mise aux marges, exactement comme dans la caricature. Hein. Elle n'est jamais au centre, mais vous vous souvenez que dans l'éducation sentimentale, cet épisode essentiel du roman, ils découvriront à la fin que c'est la visite à la turque. C'est ce qu'ils ont eu de meilleur, hein, c'est une citation, c'est un épisode qui date de 1837, soit avant le début de la diégèse. Hein, quand vous avez lu 500 pages de l'éducation sentimentale, bah, le meilleur, c'est ce qui est avant. Mais surtout, le travail sur la forme brève, la légende, est omniprésent dans le roman. Flaubert accumule les phrases à calembour qui pourraient figurer en bas de caricature. La meilleure, c'est celle que trouve Frédéric dans un petit journal lorsqu'il trouve il lit un titre d'article qui le désigne explicitement, je cite, « Un jeune homme du collège de Sens qui en manque ». Et là, c'est pareil, hein, ça pourrait figurer en bas d'une caricature. Mais la meilleure preuve de la force de l'imaginaire du dispositif de la lithographie de jeune homme se trouve dans la première page de l'éducation sentimentale. Je vous rappelle la citation. « Monsieur Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, s'en retournait à Nogent-sur-Seine, où il devait languir pendant 2 mois avant d'aller faire son droit. » Alors l'expression « faire son droit », elle est en italique, ce qui indique la volonté d'attirer l'attention du lecteur sur l'expression qui pourrait avoir un sens particulier. En tout cas, en exégète, on doit se demander quel est ce sens particulier. Alors dans son brouillon, Flaubert avait précisé ce sens. Il avait continué la phrase « ce qui signifiait dans sa pensée être libre et vivre en artiste ». On voit se profiler la vie de jeune homme. Mais surtout, cette expression « faire son droit », elle constitue une légende d'une lithographie particulièrement amusante de Gavarnie. On y voit un jeune homme occupé à compter fleurettes à une grisette. Avec cette légende, il fait son droit. Et donc la première page de l'éducation sentimentale la première page de l'éducation sentimentale pointe d'emblée que la lithographie du Charivari va être littérarisée dans le roman et que plus largement elle en constitue une des matrices de production textuelle. Et là encore, c'est bien derrière le jeune homme se dessine tout ça. Donc je conclue. Je vous remercie pour votre patience. La troisième page du Charivari réfléchit donc au cas du jeune homme sous la monarchie de Juillet. Sous le crayon de Daumier, on voit que c'est un sujet facile, non polémique, qui permet de faire rire d'une expérience commune et essentielle. On évite les sujets qui fâchent, hein, la vraie initiation sexuelle du jeune homme, souvent traumatisante dans les bordels, et l'initiation politique du citoyen, qui peut passer par l'apprentissage de l'insurrection, sont gommées. Donc ces images, même si elles manifestent l'établissement de rituels dans les questions de la masculinité, n'avaient pas vocation à créer véritablement un type. Ce type, il s'est constitué, à mon avis, plutôt sous la plume de Gavarnie, qui s'est concentré sur l'éducation sentimentale du jeune homme bourgeois et qui a mis en image le scénario topique de la comédie humaine avec ses personnages typiques, la femme mariée, la grisette, le jeune homme d'abord, et puis l'oncle à héritage, le confident, etc. L'imaginaire collectif a été sans doute fortement influencé par le fonctionnement de ce dispositif qui associait une image, un scénario et une forme de parole orale vive et brève. Alors, j'ai peut-être pas assez insisté sur la force de conviction du support périodique, je le rappelle pour conclure, qui impose son imaginaire grâce à la répétitivité. Hein. C'est parce que ça revient tout le temps que finalement ça imprègne l'imaginaire. Cet imaginaire a été ensuite, il me semble, directement importé dans le roman de la seconde moitié du 19e siècle, qui n'a pas seulement récupéré le roman d'un jeune homme ou le roman du jeune homme, mais qui parfois a littérarisé le dispositif, faisant de l'icône un portrait, retravaillant le scénario topique et laissant émerger des paroles brèves, des calembours, des aphorismes, comme des fragments du sociolecte du jeune homme décrit par Gavarnie. Merci pour ce.